En manchette, aujourd'hui, le coût des projets municipaux explose. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 6 avril, Alain Bellumard au pupitre. Eh bien oui, ça ne fait pas exception si votre panier d'épicerie coûte plus cher, si les achats d'hiver coûtent plus cher. Eh bien, le coût des projets de diverses municipalités sont aussi fortement en hausse. Dans le prochain reportage, c'est un résumé de ce qui se passe dans trois de nos municipalités. Tout d'abord, au conseil municipal de Saint-Cuthbert, on nous a informé que le projet de mettre un toit sur la patinoire extérieure de la localité est devenu hors de prix, donc on annule ce projet. Du côté de Lanoraie, le conseil municipal informe ses citoyens que le coût de la nouvelle caserne des pompiers, coûtera 224 263 $ de plus. Et finalement, on rappelle le dossier à Saint-Ignace-de-Loyola, où il est question d'un possible emprunt pour le centre communautaire. Le projet initial était 3 millions, on parle maintenant de 8 millions. On écoute les trois extraits de ces nouvelles municipales. Point 6, point 4. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est retrait du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Considérant que la municipalité de Saint-Cuthbert a soumis le projet de construction d'une toiture de la patinoire sur la patinoire au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre d'un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, considérant que le conseil municipal de Saint-Cuthbert a adopté la résolution numéro 17-12-2019 en ce sens, considérant que le coût du projet initial était estimé à 1,208 millions et que le PAFI, c'est l'acronyme du programme, a octroyé une aide financière de 805 242 $, considérant qu'une révision du coût du projet en date du 22 décembre 2021 est estimée à 2 300 700 $. Et que l'aide financière dans le cadre du PAFIR n'est pas ajustée en conséquence, considérant que l'augmentation nette du coût prévu au montant de 795 700 $ doit être entièrement assumée par la municipalité de Saint-Cuthbert afin que le projet puisse aller de l'avant, considérant que le conseil municipal, par souci de rigueur budgétaire, ne peut assumer seul une telle augmentation du coût du projet, considérant que le conseil municipal souhaite repenser le projet afin de soumettre au ministère un dossier mieux adapté au contexte actuel. En conséquence, il est proposé par Louis-Jacques, Sylvain. Appuyé par Sylvain Toubin, que le conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert se retire du PAFIR pour le projet mentionné en préambule. La résolution 17-12-2019 adoptée le 2 décembre 2019 soit abrogée, que le ministère de l'Éducation soit informé des raisons de cet abandon de projet et que le conseil municipal lui est très reconnaissant d'avoir choisi son projet parmi tous les projets qui lui ont été soumis au ministère. Donc, on se retire du projet de la patinoire. Étant donné la situation actuelle où les coûts ont non seulement pas doublé, mais explosé, on n'avait pas les moyens d'aller de l'avant là-dedans. On ne lance pas la serviette, disons qu'on va s'y prendre autrement, et puis on va y aller par étapes, on va essayer de manger l'éléphant bouchée par bouchée, puis on va faire les choses correctement pour le futur. C'est le projet, comment que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, on n'a pas de limite de temps, mais on va essayer de faire ça comme il faut. On vient maintenant, on s'en va de Saint-Cuthbert à Lanoraie. De ce côté-là, on avait annoncé évidemment un règlement d'emprunt là, pour l'agrandissement et la modernisation de la caserne des pompiers de Lanoraie. Et évidemment, dans ce cas-là aussi, en très peu de temps, les prix ont bondi. On écoute le maire Villeneuve de Lanoraie.
Sécurité publique, point 6, 6.1. Dépôt de soumission, travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres publiques pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne d'incendie. Considérant que 7 soumissions ont été reçues et déposées, soit Construction Larco, Inc., au montant de 2 778 945,75 GMI Construction, 2 759 400 Construction Hébert Inc., 2 604 183,75 Les entreprises Philippe Denis Inc., pour 2 470 236,73 Les entreprises Louis Belle-Rose Inc., 2 625 454,12 Construction Julien Dalpé Inc., 2 744 874,6 Construction Marc Arbour enregistré, 2 312 147,25 En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Construction Marc Arbour enregistré, le contrat pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne d'incendie au coût de 2 312 147,25 taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. L'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 117-2022 finançant les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie s'élevant à 1 887 031 taxes nettes. Donc, vous pouvez constater qu'il y a un écart entre ce que nous avions prévu comme règlement d'emprunt. On avait prévu un règlement d'emprunt d'environ 1 800 000. La soumission, parce que c'est souvent le cas, on sait vraiment le coût d'une construction lorsque les soumissions sortent. On fait des prédictions, puis on essaie de voir venir. On sait aussi que la prédiction a été faite avant les fêtes. Il y a eu une fluctuation depuis. Donc, il y a un écart entre ce qu'on avait budgété ou prévu au règlement d'emprunt de 224 267,63 $. Pour combler l'écart, nous avons accès à la TEC. La TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec, donc partenariat Québec. Et dans cette TEC-là, on a un jeu de 400 000. Alors, on va prendre la différence qui manque pour combler l'écart dans la TEC, le 224 263 et 63, pour combler le tout. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? À Saint-Ignace de Loyola, maintenant, hier soir, on a fait une mise au point concernant le projet de centre communautaire. On a confirmé la date du 20 avril pour la signature là, sur le registre des citoyens là, qui peuvent signer s'ils s'opposent au règlement d'emprunt. On rappelle que ce projet-là est passé là, d'avant la pandémie aux alentours de 3 millions à 8 millions de dollars. Et des citoyens ont demandé, là, entre autres par courriel à la municipalité, que les chiffres soient davantage ventilés. Ce que le conseil fera, tout le monde recevra une copie dans les prochains jours, avant, évidemment, la date du registre. Et on écoute le maire de la municipalité et la directrice générale faire cette mise au point lors de la séance du conseil. Avant de répondre à vos questions, je vais vous expliquer une chose qui est importante. On a reçu un courriel du demandeur de ventiler des chiffres concernant l'église. Donc, comme aujourd'hui, j'étais en réunion presque toute la journée, je vais me servir avec madame ici, on va regarder tout ça pour essayer de les ventiler comme la demande était faite. Et suite à ça, et que le conseil ici. C'est le conseil ici, ça peut être ici, dans le conseil qu'on a décidé de ventiler. Un coup qui va être ventilé, les citoyens allaient recevoir une copie de la ventilation des coûts. Comme qui, on va essayer de respecter le plus possible la manière qui était demandée. Okay, donc, c'est pour ça que ce soir, on a proposé la motion puis le projet de règlement pour l'ordre, le règlement d'ordre. Mais c'est pas des émotions, vous savez pas des délais, mettons, après 30 jours, des choses comme ça. On a tout calculé nos choses, nos délais, on veut être pour le 20 avril, ça va être
le registre des personnes à vie de voter. Ah, déjà, ça va être un peu plus calme, je ne me trompe pas. Il va y avoir une assemblée, on va filer des chiffres. Le conseil va en avoir connaissance aussi, on va le renvoyer l'avant. Le 10, on se rencontre. À ce moment-là, c'est une assemblée spéciale. On va passer la vie de motion puis le projet de règlement pour le règlement en bref. Après ça, le 13, on fait une autre assemblée spéciale pour adopter le projet de règlement. Et le 20, il va y avoir le registre des personnes à voter de 9h le matin à 7h le soir. Mais à l'heure actuelle, je veux dire, il semblerait qu'il y ait une différence entre 61 et 300 dollars. Puis j'ai 61 dollars, mais 300 dollars, on peut dire qu'il y a eu quand même, c'est important pour demander. Vous en avez des chiffres, on va regarder. On verra ce que c'est après. Et j'aurais une autre question pour Mélanie. Quand j'ai regardé, je veux dire, la loi de 801, mais semblait, je ne suis pas sûre, là. Il semblait que je dis pour, mettons, aller signer le registre, on avait le droit à 2 ou 3 jours d'affilée. Peut-être juste revérifier, pour moi, une journée ou deux fois. Selon, ça dépend du nombre de. Dans le calcul en question, quand on fait le calcul, là, c'est selon le nombre de personnes habiles à voter. Après ça, il y a comme le calcul mathématique. Et automatiquement, dans le fond, vu qu'on est 2000 et moins, ben, c'est une journée. En tout cas, bref, dans le calcul. Et c'est ce qui a été fait. Alors, c'est pour ça, c'est une journée et c'est bien 197 signatures. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 6 avril, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter un heureux anniversaire à Madeleine Denis. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 6 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit l'information concernant Saint-Ignace-de-Loyola. Un avis d'ébullition pour l'eau potable a été mis en place en ce début de journée, en ce mercredi, et ça fait suite à des travaux en cours, entre autres, près de à l'approche du traversier là, sur la route 158, donc ça fait suite à ça. Évidemment, on demande aux gens de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Plusieurs sujets ont aussi été discutés lors de la dernière séance des élus. C'était mardi, donc hier, à Saint-Ignace-de-Loyola. Un point qui, évidemment, attire notre attention est le fait que les règles concernant la reconstruction, notamment d'un chalet dans les îles, chalet qui a été détruit par un incendie, donc c'est toujours en suspens et c'est pas réglé. Une intervention d'un citoyen, M. Valois, qui a posé évidemment des questions au conseil municipal à ce sujet, il a demandé à sa municipalité, entre autres, d'agir face ou en lien avec la députée du comté, Caroline Proulx, pour que cette dernière intervienne et pour que la situation se régularise. Monsieur Valois ne peut, présentement, avec les règles en vigueur, reconstruire son chalet dans, évidemment, les îles, évidemment,
c'est des chalets où on a accès hiver comme été, mais hiver par la glace et été par embarcation. On écoute les explications du citoyen et la discussion là, concernant ce dossier. Ça fait quasiment 2 ans que Mme Brou est venue dans les îles, se promener en ponton avec nous. J'étais là, d'ailleurs. Et on n'a pas de nouvelles depuis ce temps-là. Je trouve que vous ne l'achalez pas beaucoup. Bien, j'ai eu... excusez-moi, le bon travail est un peu subi. Je m'excuse vraiment. On a eu un zoom avec Mme Brou, avec M. Lambert, l'adjointe de Mme Laforêt. On a eu un zoom avec l'autre, avec le règlement transitoire qu'on fait. Et ils ont confirmé que le règlement transitoire était là, puis c'est le règlement que les municipalités vont faire qu'ils appliquent. Tant et aussi longtemps que le règlement. Comment est-ce qu'on dit? Le règlement. Non, le règlement transitoire, d'un coup, qui va devenir en force, ça peut prendre de 2 à 5 ans. Et à ce moment-là, la MRC va pouvoir faire des règlements, mais il va falloir qu'ils soient acceptés par 3 ou 4 ministères à Québec. Puis ça, pour vous dire, Mme Brou, admettons qu'elle ne nous a pas dit qu'elle était pour nous aider maintenant. Je suis franc. Puis là, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai parlé avec M. Péloquin. M. Péloquin est en train de faire une démarche pour essayer de faire appanier ça, paysage patrimonial. Patrimoine bâti. Non, paysage patrimonial. Il est là-dedans, il m'a parlé de ça. Puis là, moi, j'ai demandé, vous faites ça pour l'archipel. Au début, il m'a dit non, il dit on fait ça, je fais ça pour 5 ans. Et là, j'ai écouté M. Péloquin. Il dit, là, oui, j'ai tout le temps parlé pour l'architecte de l'extérieur, j'ai pas parlé pour Saint-Ignace, là. Je parle pour tout le monde qui est là, là. J'ai dit, j'espère que vous allez faire. Ouais, là, je rentre, il dit, on peut, je peux pas te payer ça tout seul. J'ai dit, écoutez, c'est bien facile, réunissez-nous au moins, nous autres, les Dubois, Saint-Rotenier, Masquinonville, Yamachiche, t'as toutes les municipalités autour de la Saint-Guerre, il y en a sur le côté sud aussi. Ils ont ressassé. Moi, on est prêts à péter notre part. Si on est capable de gagner cette partie-là, ça va être un bon point en avant. Le zoom, c'est quand que vous l'avez fait? Pardon? Le zoom a eu lieu quand? Oui, ça fait longtemps. Quand on ne se souvient pas, ça doit faire longtemps. Non, avec madame le... En début d'année. En début d'année. C'est parce que l'avantage qu'on a dans le comté de Berthier, M. Lair, c'est parce que Mme Prou siège au Conseil des ministres tous les mercredis. Hein? Moi, je paye des taxes à Saint-Ignace pour un chalet. Mais vous savez qu'il n'y a pas juste des chalets là-dedans. Là. La question que je pose, que je me pose tout le temps, est-ce que ceux qui sont touchés par la zone ont été dûment renseignés par la municipalité pour dire « Faites attention, parce que moi, là, mon chalet, je l'ai donné. Tant que je vais avoir les yeux verts, c'est à moi. Mais je pars, c'est mon œil qui va l'avoir. Si lui décide de le vendre, il faut qu'il dise au propriétaire futur, si je vous avise que je vous vends votre chalet, maintenant, dans le cas qu'il est détruit par l'inondation, ce qui est peu probable, d'ailleurs, mais s'il est détruit par le feu, je dois vous dire que vous ne pouvez pas bâtir. C'est vendable beaucoup, ça. C'est très vendant, ça. C'est très vendant. La question que je pose, parce que je connais l'île, ça en donne. La maison de Brissette, qui vaut... je suis pas en train de le payer, de toute façon. Il est-tu dans la zone, lui? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être le savoir, il faut lui écrire, M. Brissette. D'après moi, je dirais pas oui. Mais il doit pas, je pense. Ben c'est ça. Tu sais, il faut que les gens, quand on veut mobiliser une population sur un projet qui ne nous intéresse pas, puis qu'on est capable de dire que ça nous concerne pas, on est capable de mobiliser la population si on les renseigne. Est-ce que vous avez envoyé, puis vous avez regardé la carte, je me souviens de votre intervention, très justifiée d'ailleurs, quand vous avez dit aux gars du gouvernement, vos plans sont pas bons. Il y avait de l'eau qui lisent dans le plan. Il y avait plus ça par satellite, eux autres. Hein? Les satellites, mon œil, il ne faut pas dire d'autre chose. Il s'est trompé, vous avez dit, même, je me rappelle de vos mots, il devait avoir une onde, plus ça par satellite, vous avez dit, il devait avoir des nuages, il n'y a jamais eu d'eau, il lise. Il n'y a jamais eu d'eau, mais pourtant, il est dans zone. D'après les plans du gouvernement.
Là, il y a le projet qui est en marche, il commence ainsi. Ils ont déboursé le gouvernement des inondations de 400 à 500 millions à part les assurances. Je peux-tu vous dire qu'il n'y a pas grand million qui est tombé par les sept, là? Je peux vous dire, aussi que si j'en regarde la carte comme vous, là, je ne suis pas sûr que c'est un particulier des inondations. En plus, ça, là, ça me dit. Un autre problème, ça me dit qu'il y avait là. Non, mais oui, il, moi, je te demande au conseil municipal. Je me dis comme des vieux jurés disant, je ne suis pas tenant feu et lieu, moi, ici. Je paye des taxes, mais j'ai un chalet à une chambre. Mais je viens d'ici, par exemple. Et là, je vous le dis, M. le maire, il faut être capable de se voir dans la zone inondable, d'avertir les propriétaires des maisons et des chalets que s'ils viennent qu'à vendre ou qu'ils viennent qu'à passer au feu, il faut les mettre au courant. Si on ne les met pas au courant, quand est-ce qu'on va dire, la journée qui va arriver de quoi à quelqu'un, là? J'ai parlé, je ne vous connais pas tous ceux qui ont des chalets, mais ici j'en ai parlé avec 4-5 personnes, puis je leur ai dit, moi là, à l'heure actuelle, là, Mme Brougerac est ministre. Puis je me suis fait répondre par Mme Noël en me disant, écoutez, Mme Brou, vous savez, elle n'a pas bien pas. Puis là, je dis, excusez-moi, là, si Mme Brou n'a pas de poids au Conseil des ministres, qui c'est qu'il va en avoir? C'est pas capable de parler pour sa région, un problème. Puis en même temps, j'ai dit aux citoyens, aux citoyens. Si vous voulez nous aider, parlez-vous entre vous autres, puis mobilisez-vous, puis faites quelque chose. Faites quelque chose, comme je vous le dis, là, qu'est-ce qu'on leur parle, moi j'ai parlé avec M. Lambert, vous pouvez vous voir, c'est tout le temps la même languette qu'il me donne. Le règlement transitoire, c'est votre règlement, c'est la municipalité. Et si je vais essayer d'adapter complètement, dans 2 ou 3 ans, là, la MRC, vous allez pouvoir faire des règlements par la MRC. Et moi, je l'ai dit, ben oui, on va faire des règlements. Moi, je vais leur dire que ce que je veux, c'est d'inviter, comme c'était avant. Le monde a des droits qui, s'il passe au feu, ça prévaut sur le règlement, ils vont plus rebondir à 20 places, à 20 gradeurs. Ben, il dit, c'est un règlement-là, la MRC va tout bien dire oui, parce que l'hiver, ils boutent bien fort. Elle dit, est-ce qu'on en a encore? Ben, le problème, c'est que ça s'en va à Québec, il y a tout 23-4 ministères, il faut qu'ils disent oui. S'il y en a un qui dit non, c'est fini, on n'a pas. Le Centre d'action bénévole d'Autré vous invite à ses petites vues. Ça se déroule demain, le 7 avril, au 180 rue Champlain à Berthierville. Collation et breuvage inclus. Il faut cependant réserver sa place. 450-836-7122, 450-836-7122. Le film à voir demain, Au revoir là-haut. Donc, ça débute à 13h30, c'est un drame. Novembre 1919, 2 rescapés des tranchées. L'un, dessinateur de génie, l'autre, modeste comptable, décide de monter une arnaque au monument aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. Ce film d'Albert Dupontel est adapté du roman de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013. Il raconte l'histoire de 2 soldats qui ont survécu à la Première Guerre mondiale, mais l'un a eu le bras et la mâchoire arrachés. Un film à voir sur le jeu des masques. Donc, film d'1h57, Au revoir là-haut. Les petites vues du Centre d'action bénévole d'Autré. On rappelle 450-836-7122 si ça vous tente d'assister. Sur ce, allons à la pause. Accidentellement, à Saint-Norbert, le 2 avril, à l'âge de 53 ans, est décédé Stéphane Bonnet, conjoint de Annie Simard, demeurant à Saint-Norbert, autrefois de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et ses filles, Jade Bonnet, Félix Bradley, Kim Simard, Patrick Doucet,
sa petite fille Charlie-Rose Doucet, sa mère Micheline Rogers, feu Claude Bonnet, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Régent Bonnet, Daniel Lambert, Sylvain Bonnet, Michel Bonnet, Linda Bertrand, Daniel Bonnet, Suzanne Hince, François Bonnet, Julie Bonnet, René Chabot, Martin Simard, Manon Chevrette, Manon Simard, Richard Guilbeault, Claude Simard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 24 avril dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à 75 ans, est décédé M. Roger Carrier, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Lise Lévesque, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brendon, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Nicolas Carrier, Martine Grégoire, Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses trois petits-enfants, Frédéric, Émilie et Sarah, ses sœurs, Gisèle et Claudette Carrier, ainsi que les membres de la grande famille Lévesque, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 9 avril à l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h, suivront les funérailles à 14h. Monsieur Carrier sera inhumé au cimetière Entrelacs à une date ultérieure en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 mars à 93 ans, est décédé M. Hubert Clément, époux en première noce de Lise Michaud et conjoint de Thérèse Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants Nicole Clément, René Clément, Michel Clément, Mario Clément et leur conjoint-conjointe, ses trois petits-enfants, Jim Savignac, Jean-Pierre Clément et Geneviève Clément, son arrière-petite-fille Jeanne Savignac, c'est sa sœur et ses belles-sœurs, Thérèse Clément, Ghislaine Lemire, Georgette Massé. On parle aussi de Claire Fafard, ses belles-filles, Micheline Massé, Guylaine Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 avril au complexe Thériault à Berthierville, suivra à 10h le matin, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Après le soleil, la pluie, eh bien oui. Aujourd'hui, super journée, 10 degrés, peut-être même davantage. Ce soir, ciel variable, on parle de 5 degrés. Cette nuit, c'est nuageux avec quelques éclaircies, 1 degré ressenti en bas de zéro, par exemple, environ de moins 4. La pluie débutera demain en matinée, nuageux avec averse, 2 degrés, 80 % de chance de pluie. 1 mm. En après-midi, ça se poursuit. 5 à 10 mm de pluie, 5 degrés. Même chose en soirée. Donc, la grisaille pour demain, la grisaille pour vendredi. Lentement mais sûrement, on retrouvera le soleil par après. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain!